Beau matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message intuitif et bien de ce vendredi 18 février 2022, dernier jour pour moi de cette semaine avec vous. J'espère que vous allez toutes et tous bien et aujourd'hui c'est solitude. Et bien cette carte elle rappelle que nous avons tous besoin de vivre des moments en tête à tête avec nous-mêmes. Solitude ne veut pas dire seul, on n'est jamais seul, puisqu'on est avec soi-même. Alors, c'est vrai que la solitude a souvent une connotation négative, alors qu'il est bénéfique de connaître des moments avec soi-même, n'est-ce pas? Si tu es toujours entouré, mais à ce moment-là, tu ne peux pas ou difficilement t'offrir ces petits instants privilégiés pour, pour toi souffler, pour écouter ton corps, pour écouter tes envies, n'est-ce pas? Et même ne rien faire. Si tu as du mal à être seul, rappelle-toi. Rappelle-toi que c'est une opportunité pour apprendre à apprécier ta propre compagnie, à mieux te connaître. Lorsqu'un moment en solitaire s'annonce, n'essaye pas toujours de le combler en voyant quelqu'un. Essaye de mettre en place des actions grâce auxquelles tu apprécieras un peu plus chaque fois cette solitude. Et tu verras, petit à petit, tu n'auras plus besoin des autres pour te sentir bien. Tu te suffiras à toi-même. Petit rituel, tu as un moment de libre. Alors, interroge-toi sur tes envies. Est-ce que tu aimerais oser aller seul au cinéma, par exemple, ou t'asseoir, pourquoi pas, à une terrasse pour bouquiner, rêvasser, observer les gens? J'adore, moi, en tous les cas, pour ma part, me mettre à une terrasse et observer les gens. J'adore me mettre à une terrasse et rêvasser. Si tu as l'occasion, fais-le. Tu sais, accomplir ces petites choses te permettra d'accepter, tes émotions, celles que tu ne vois pas. Alors que la société te demande sans cesse, n'est-ce pas, de faire preuve de self-control. Tu accueilleras ainsi avec bienveillance les sentiments qui te traversent. Alors plutôt que l'enfermement, la solitude t'évoquera alors un doux moment unique pour réfléchir à toi et sur toi, qui est tellement important. Message lumière, l'enfant intérieur. En retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique toujours présent autour de moi. Ce monde de magie et de lumière, j'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. Je cesse de me prendre au sérieux et de m'inquiéter pour demain.
je prends le temps de m'amuser. À quoi bon, n'est-ce pas, de s'inquiéter pour demain? Vivons l'instant présent, le ici et maintenant. Quel beau message lumière! Et je terminerai par « Mets de la lumière dans ta vie ». Sois optimiste, lève-toi le matin et remercie. Remercie l'univers pour la belle journée que tu vas passer aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end, une belle journée. Et puis on se retrouve pour une prochaine capsule. Je vous remercie aussi de votre écoute. Merci à tous mes abonnés. Avec toute ma gratitude. Et prenez soin de vous. Prenez soin de ceux qui vous entourent. Prenez soin de ceux que vous aimez. C'est tellement important tout cela. Parce que demain, on ne sait pas ce qui peut arriver, donc il faut toujours profiter du moment présent, de l'instant présent, et dire « je t'aime » aux personnes qui vous entourent. C'est aussi important de le verbaliser. Voilà, je vous aime, je nous aime. À tout bientôt.